la première question que nous avons choisie, qui est la question de la langue. Et peut-être je donne la parole à Akira. Merci donc. Alors, la première chose à dire, c'est que le Japon n'existait pas avant le 7e siècle, en gros. Et que cette partie du monde qu'on appelle le Japon aujourd'hui était donc habitée par des habitants qu'on appelait Wa, mais qui n'est pas limité dans l'archipel, hein, qui était beaucoup plus large, et surtout, ces Wa habitaient aussi le sud de la péninsule coréenne. Et que on pense que ces Wa venaient de continents vers l'archipel et mélangés avec d'autres habitants qui venaient de Polynésie ou du nord de Tungus aussi. Ce qui fait que on parlait à peu près la même langue, enfin on pense qu'on parlait à peu près la même langue jusqu'au 6e siècle, au sud de Corée et le Japon. Enfin, à cet endroit-là. Ce qui fait qu'on n'avait pas du tout l'idée de différence de langue. Hein, pour les Japonais, c'était la variation régionale, enfin. Donc, au départ, les Japonais disaient que nous, les Japonais, on parle d'une langue qui apporte le bonheur, alors que les autres parlent d'une langue qui n'apporte que des disputes. Bon, c'était ça, la première différenciation de langue japonaise par rapport aux autres. Alors, la question de différence de langue, c'est vrai que la langue japonaise, en tout cas, l'idée de cette unité de langue n'apparaît qu'en réalité au 6e siècle quand on commence à recevoir beaucoup de textes en chinois. Alors, il faut bien dire que à cette époque, enfin, comme aujourd'hui d'ailleurs, hein, dans cette partie du monde, l'écriture qu'on disposait, c'était l'écriture chinoise. Oh, peut-être que vous savez, l'écriture chinoise est une écriture idéogrammique. Puis ça représente le sens. Chacun de ces pays, influencé par la culture chinoise, pouvait utiliser la même écriture pour noter des sens sans noter le son, en gros. Et que, donc, au 6e siècle, on commence à avoir, justement, au niveau de l'écriture, la différenciation. Hein, quand un pays de Corée a envoyé une missive au Japon, les Japonais ne comprenaient pas et demandaient à d'autres Coréens de traduire. Et comme ça, on commence à avoir petit à petit, la différence de langue. Mais cette spécificité de japonais, cette question de spécificité de japonais apparaît beaucoup plus aiguë un peu plus tard, quand les Japonais commençaient à écrire eux-mêmes, hein, c'est-à-dire que jusque-là, vous savez, il y avait des Coréens ou Chinois qu'on utilisait comme scribes, n'est-ce pas? Donc, bon, ils écrivaient, et puis les Japonais, les fonctionnaires japonais faisaient des rapports, bon. Mais au 8e siècle, quand on a installé un système politique centralisé, les fonctionnaires japonais devaient écrire donc des rapports. Mais l'écriture, à l'époque, c'est le chinois. Mais les fonctionnaires qui habitent dans les régions, qui n'avaient pas de méthode de langue, qui n'avaient pas de cassette,
hein, qui n'avaient que le modèle d'écriture, simplement, écrivaient tant bien que mal le chinois. Ce qui veut dire que, à force des choses, petit à petit, il y a des éléments japonais qui entraient dans l'écriture. Et là, on commence à se sentir, si vous voulez, le problème. Le chinois et le japonais, il y a des énormes différences. Tout d'abord au niveau de l'ordre des mots. Donc on commence à un peu mélanger l'ordre chinois, l'ordre japonais, et comme ça qu'on commence à modifier la culture chinoise. Deuxième élément, le japonais est une langue flexionnelle. Le chinois est une langue isolante, monosyllabique. Donc, dans la culture chinoise, il n'y avait pas d'endroit où on peut écrire, si vous voulez, cette partie variable des mots. Et les Japonais ont essayé de bricoler à ce niveau-là. Et ce bricolage, c'est-à-dire soit on ajoute des points à côté de caractères, peut donner des particules à ajouter ou des formes flexionnelles à ajouter au mot, soit sous la forme d'autres manières. Par exemple, ici c'est mieux, on ajoute des particules ou des désinences flexionnelles en utilisant les caractères chinois comme simple représentation phonique. Peu importe. En tout cas, dans tous les cas, ce qu'on commence à comprendre, c'est que cette chose qu'on ajoute, soit sous la forme de trait, soit sous la forme de caractère écrit petit, c'est l'essentiel, justement, de spécificité japonaise. Et c'est là qu'on commence à avoir, si vous voulez, la vision beaucoup plus claire sur la différence entre le chinois et le japonais. Voilà. Pour le moment, je m'arrête dans un premier. La poésie a un statut extrêmement important dans cette Arabie antique et une langue relativement unifiée, même remarquablement en fait unifiée, est devenue la langue unique de la poésie sur l'ensemble de la région arabophone. Voilà à peu près la situation au moment de la prédication islamique. Et le texte du Coran, qui est le texte fondateur de la nouvelle religion, va adopter comme variété de langue cette langue de la poésie. Alors le Coran n'est pas de la poésie, quoique ça puisse se discuter, il utilise des rimes, des assonances, etc. Mais pour les musulmans, c'est très important de dire que ça n'a rien à voir avec la poésie, parce que la poésie est inspirée par les djinns, les forces obscures, alors que le Coran est inspiré par Dieu. Mais la langue du Coran, c'est essentiellement cette langue de la poésie, tout simplement parce que cette variété dialectale, au fond, cette variété particulière de l'arabe, c'est la variété qui est détentrice de l'autorité symbolique. C'est la variété qui porte, à cause de tout cet héritage de la langue poétique et de la langue des orateurs, une valeur particulière. Or, on sait que, en tout cas, ce n'était pas la langue de tout le monde, au sens où il y avait des variétés dialectales. Et on peut même penser que dans les marges du monde arabophone, la langue qui était parlée avait sensiblement évolué. L'arabe du Coran ou de la poésie est une langue lourdement flexionnelle. C'est une langue qui a un système casuel et modal très élaboré. Or, on a des éléments pour penser que déjà, dans les marges,
ont commencé à parler un arabe qui avait perdu en grande partie son système flexionnel. C'est cette évolution qui va donner par la suite les différents parlers arabes qui sont vivants aujourd'hui et qui sont donc des langues essentiellement sans flexion. Avec l'établissement de l'Empire islamique, les arabophones d'abord s'installent dans d'immenses territoires où on ne parlait pas arabe. Les arabophones sont démographiquement minoritaires partout. L'Arabie est un désert, ce n'est pas le genre d'endroit où on peut développer des millions d'autochtones. Et donc partout où ils s'installent, Syrie, Irak, par la suite Perse, Égypte, etc., ils sont en minorité. Et en fait, le processus qui va se produire, ce qui aurait pu d'ailleurs se passer, c'est qu'ils soient purement et simplement absorbés linguistiquement, culturellement. Culturellement, en outre, il faut ajouter qu'il s'agissait de Bédouins qui vont occuper des régions qui sont nettement plus urbanisées, civilisées que l'Arabie maternelle. Et en fait, ils vont essentiellement s'installer dans des cités de garnison où ils vont être localement majoritaires et où l'arabe va rester la langue de la communication. Ce qui se passe alors, c'est que des hétéroglosses, des non-arabophones, vont progressivement, au contact des Arabes dans les villes, commencer à s'arabiser, mais précisément en utilisant une variété d'arabe qui n'a rien à voir avec la variété haute, la variété de la langue du Coran et au fond de l'aristocratie. Alors le thème traditionnel dans l'historiographie arabe associé à la naissance de préoccupations grammaticales est celui de la corruption de la langue, avec différentes variantes de récits mythologiques autour de ça. L'un des plus classiques de ces récits, c'est une petite fille, fille de l'un des fondateurs mythiques de la grammaire, Abou al-Aswad al-Douali, mort vers 680-686. La petite fille s'adresse à son père et veut lui dire que le ciel est beau. « Ma ajmala sama'a » avec un accusatif à « beau »,« très beau ». Et d'après la légende, elle lui dit « ma ajmalu sama » avec un nominatif qui change le sens de la phrase, qui devient « qu'est-ce qu'il y a de plus beau dans le ciel ?» Et son père, comprenant ce qu'elle aurait dit, lui dit « ben les étoiles, ma fille ». Elle lui dit « mais papa, je n'ai pas du tout voulu t'interroger, j'ai voulu exprimer mon admiration ». Et donc le père prend alors conscience de la corruption de la langue et décide de commencer à écrire les bases de la grammaire. Alors il y a d'autres légendes, évidemment tout ça c'est de la mythologie. Ce qui est intéressant, c'est-à-dire le fond de vérité derrière tous ces mythes, c'est ce thème de la corruption de la langue lié à la nouvelle situation sociolinguistique créée par les conquêtes, à la masse d'hétéroglosses, de non-arabophones qui se trouve tout à coup impliquée dans le marché linguistique et au fait que l'évolution interne de la langue est en train de l'éloigner de la variété haute qui est notamment la variété de la langue coranique, mais aussi la variété au fond de l'aristocratie, en tout cas la variété qui donne à l'aristocratie arabe une distinction au sens de Bourdieu, qui la différencie de la masse. Et c'est évidemment par rapport à toutes ces préoccupations, sauvegarder la langue du Coran et l'expliquer, sauvegarder la langue de la poésie et également sauvegarder la langue de l'aristocratie arabe, que le processus de réflexion sur la grammaire va commencer. Voilà, je crois que je vais en rester là aussi. Moi, je vais donc parler de ce qu'on a nommé ici l'islandais, mais en réalité, au moment qui nous occupe, c'est-à-dire entre
En gros, la fin du 9e siècle et la fin de ma période, c'est le 14e siècle. La notion d'islandais n'existe pas encore véritablement. C'est la langue d'un espace géographique assez important qui occupe le Danemark, la Norvège, la Suède, les îles Féroé, l'Islande, les îles Hébrides et Orkney, donc au nord de l'Écosse, le nord de la péninsule britannique et une partie de l'Irlande. Le nord de l'Angleterre a été longtemps soumise à ce qu'on appelait en anglais the Danish law, qui signifiait le fait d'être soumis au code juridique des rois danois ou norvégiens, d'ailleurs ça a dépendu, et qui est une époque où on parlait couramment le scandinave commun, le norrois, quel que soit le nom qu'on a pu lui donner, à cette époque-là, jusqu'assez tardivement dans le Moyen-Âge, puisque même à la bataille d'Hastings, on sait qu'il y avait des Islandais, puisqu'il y a des récits du point de vue de témoins islandais. Donc la langue était parlée sur un espace assez important, mais ceux qui se sont assez rapidement transformés en conservateurs de cette langue, ce sont les Islandais, alors pour plusieurs raisons. Sans doute du fait de leur statut de colon. Alors, je vous ai donné une petite chronologie à la fois historique purement et avec aussi une petite chronologie que j'ai mis à la suite qui traite de l'histoire de l'écrit et notamment des écrits linguistiques en Islande et en langue islandaise ancienne. On voit que l'Islande a été occupée et colonisée par des Norvégiens à la fin du 9e siècle. Ce qui les a poussés à aller là, c'était les guerres intestines de la Norvège. Il y avait une lutte entre différents chefs locaux, qui soit s'appelaient des rois, soit s'appelaient en norrois des jarls, qu'on traduit par duc, comte, tout ce qu'on veut. Enfin, c'est un titre local. Et à partir du moment où un chef se voyait défait et de perdre son territoire, il partait avec tous les siens et il partait pour essayer de trouver un endroit où il pouvait se réfugier. Et il s'était dit par un premier voyageur suédois qu'il y avait un endroit plus à l'ouest. Et donc, à partir de la fin du 9e siècle, s'installe un certain nombre de chefs norvégiens en Norvège. Et ils se perçoivent eux-mêmes comme des chefs, donc comme des aristocrates. Les Islandais actuellement vous disent tous qu'ils descendent d'aristocrates, que par conséquent, ils sont des aristocrates. Et donc, étant loin de leur mère patrie, ils ont assez rapidement commencé à raconter non seulement leur installation. Le premier texte écrit, qui est le livre des Islandais, raconte et le livre de la colonisation, les deux étant l'œuvre de Harry le savant, raconte donc cette installation. Et assez rapidement, ce que les Islandais vont exporter, n'ayant pas grand-chose sur place, sinon un peu de poisson, mais surtout, ils ont assez vite pratiqué la déforestation intensive, donc ils n'avaient plus de bois, et ils étaient assez pauvres. Donc, tous les étés, les plus jeunes partaient donc en razzia ou en commerce, mais le moyen qu'ils avaient de s'assurer la protection d'un chef ou d'un roi, c'était d'être reçu à la cour et de faire des poèmes, d'adresser des poèmes au roi, qui ensuite lui offrait des cadeaux et l'acceptait dans sa suite. Et les Islandais étaient connus pour être les meilleurs poètes de toute la Scandinavie. Et de fait, les noms qu'on a conservés des poètes, alors ce qu'on appelle des poètes en islandais, c'est les skalds, parce qu'il y a deux types de poésie. Il y a la poésie qu'on appelle Eddi, qui est une poésie dont le maître est assez simple et dont le matériel rhétorique est aussi assez simple, par opposition à ce qu'on appelle la poésie skaldique, dont le maître est compliqué et dont les figures rhétoriques sont nombreuses et qui est très difficile à comprendre, parfois même incompréhensible, et qui exigeait donc une grande maîtrise de la langue. Et les Islandais étaient et sont devenus assez rapidement ceux qui avaient cette maîtrise-là. Et donc ça c'est un point de rapport avec la tradition arabe. Et la tradition grammaticale va
partir de cette pratique extrêmement complexe de la poésie, qui exigeait d'être très conscient des mouvements de la langue, de ce qu'elle rendait possible ou impossible, à la fois d'un point de vue phonétique et puis d'un point de vue sémantique, ou du point de vue des tropes, etc. Alors, pour ce qui est du nom de la langue, dans les textes les plus anciens, le nom qu'on rencontre, c'est ce qu'on a traduit aujourd'hui par danois. On appelle ça la langue danoise. Dans le premier traité grammatical, il parle de la langue danoise, mais qui n'a pas le sens qu'on lui donnerait aujourd'hui, puisque ça faut l'entendre au sens où on parlait de Danish law dans les îles britanniques, c'est-à-dire d'un espace culturel. Donc c'est la langue de l'espace culturel qui partage cette langue. Le synonyme qu'on trouve parfois, c'est ce qu'on traduit par le mot français norrois, et en islandais c'est norrain, qui veut dire donc du nord, qui est plus une dénomination géographique qu'une dénomination linguistique, mais qui assez rapidement se rencontre exactement comme synonyme strict. Voilà à peu près la langue dont il est question, donc qui est parlée dans un espace beaucoup plus vaste que l'Islande. Mais l'Islande en est le conservatoire par la production de ses poètes, et aussi par le fait que, contrairement aux autres endroits qui soit vont changer de langue comme les îles britanniques, soit vont voir leur langue évoluer loin de la langue archaïque, comme c'est le cas en Norvège, en Suède et au Danemark. En Islande, du fait sans doute de leur situation de colonisés un peu nostalgique de leurs racines, la langue va conserver un certain nombre de traits plus archaïques, notamment les flexions, parce que c'est une langue fortement fléchie, et également conserver tout ce que cette langue rend possible, à savoir précisément la poésie. Je vais peut-être m'arrêter là. D'accord, merci. Dans la langue antique, le latin, il s'appelle la lingua romana, la langue de Rome, très logiquement. C'est une expression qui va perdurer en Occident, avec un sens inchangé, mais jusqu'au IXe siècle seulement. Ensuite, elle va prendre très progressivement le sens de langue romane, c'est-à-dire d'ancêtre en fait du français. Le tableau que je vous ai fait passer montre que ce changement s'est opéré très graduellement sur le territoire de l'ancienne Gaule, en passant par des expressions du type rustica romana lingua, c'est la plus ancienne, que Michel Bagnard a traduit de façon très intelligente par latin sauvage. Dans la colonne de droite, vous avez le contexte dans lequel cette expression et toutes ces expressions sont employées. Un contexte qui est très important parce qu'évidemment, ça dépend à quoi on compare la lingua romana. Est-ce qu'on la compare au latin? Est-ce qu'on la compare à l'allemand? Est-ce qu'on la compare au grec? Et selon le contexte, l'expression de lingua romana, effectivement, n'aura pas la même valeur. Si vous parlez de lingua romana par rapport au grec, ça voudra dire le latin. Si vous parlez de lingua romana par rapport à l'allemand, là, ça pourra désigner effectivement la langue vernaculaire qu'on parle sur le territoire de la Gaule. Donc là, dans ce petit tableau, vous avez toute la variété des expressions qui ont servi à désigner la langue vernaculaire. La rustica romana lingua, la lingua rusticana, la lingua rustica, le sermo rusticus, rustice, pagensis lingua, lingua rusticorum. Toutes ces appellations qui tournent autour du fait que maintenant, cette version un petit peu particulière, un peu dégradée du latin, c'est le latin qu'on parle dans les campagnes. C'est le latin des illettrés. Ce qui est intéressant aussi, c'est que les appellations de type géographique, comme lingua gallica, on les voit apparaître là assez tardivement dans le tableau, 10e siècle, 11e, 12e. Elles apparaissent sur les marges est du royaume. C'est-à-dire là où on est dans des zones de contact avec des territoires et des populations germanophones. Donc on va parler de lingua romana ou de lingua gallica quand on veut opposer au parler germanique la variété de latin rustique qui est parlée dans ce qui sera le royaume de France. Et c'est dans un second temps, ensuite, que ces appellations lingua romana, lingua gallica vont servir à l'état brut, si on veut, à désigner le français pour le différencier, cette fois-ci, du latin.
Pour ce qui est des débuts de la réflexion sur la langue française, bon, il faut se rapporter, je crois, à ce qu'a écrit Dante en Italie, mais se rapportant à... Bon, c'est une affirmation bien connue qui se rapporte à l'ensemble des langues vulgaires et qui dit que le latin possède une grammaire alors que les langues vulgaires n'en ont pas. Ce sont les langues que l'on apprend sur les genoux de sa mère ou bien de sa nourrice. Donc, c'est une affirmation qui est lourde en conséquence et qui semble impliquer donc que le français, la langue française, ne possède pas de grammaire. En revanche, c'est à partir justement des grammaires, des premières grammaires élémentaires du latin, mais qui sont rédigées en France en langue française, parce qu'elles s'adressent donc à des élèves en bas âge qui doivent apprendre le latin. Donc ce sont des grammaires, des petits traités, tous dérivés de l'Ars Minor de Dona. C'est dans ces petits traités, de quelques feuillets à peine, que l'on voit comment le français est utilisé non seulement pour enseigner le latin, mais aussi pour, par exemple, pour traduire en langue vulgaire, donc en français, tous les exemples du latin. Par exemple, lorsqu'on parle des comparatifs latins, on dit le latin possède 3 degrés de comparaison. Le positif, le comparatif, le superlatif. Alors on dit le positif comme doctus, mais on fait suivre ce doctus par la traduction française. Donc doctus, sage. Le comparatif comme doctior, et on fait suivre par plus sage, etc. Ce qui semble, en fait, ça semble donner une correspondance sémantique, mais en même temps, ça fait ressortir les différences structurelles. C'est-à-dire que le latin possède une structure synthétique, doctior, avec des suffixes, alors que le français possède nécessairement une structure analytique avec plus sage, donc une différence. Ce qui est plus intéressant encore à mes yeux, c'est qu'il y a dans ces petites grammaires des exemples qui sont donnés uniquement en français. Ce qui est assez étonnant, d'autant plus que ces exemples uniquement en français concernent la déclinaison latine. Donc c'est assez étonnant pour nous de lire que le latin possède une déclinaison à 6 cas, et ces cas sont donc le nominatif, exemple, on s'attendrait à magister comme cela était chez Dona, bon, eh bien non, on trouve le nominatif, le maître, le génitif du maître. Le datif au maître, etc., jusqu'à l'ablatif qui pose énormément de problèmes à ses maîtres parce que justement l'ablatif latin correspond à une quantité de, j'allais dire de cas, en fait de prépositions plutôt en français. Donc du coup vous avez du maître, par le maître, sans le maître, avec le maître, vous avez une suite de traductions parce que manifestement les maîtres de latin étaient mal à l'aise face à ce cas qui était... pas difficilement traduisible, mais qui pouvait correspondre à un certain nombre de traductions. Ce qui est étonnant aussi, c'est que il y a non pas donc des exemples en français, mais aussi des références à la langue française. Par exemple, dans un autre traité qui ne vient pas directement de Dona, mais qui concerne la morphosyntaxe du latin, donc c'est un niveau non plus élémentaire, mais intermédiaire de l'enseignement, la première question dit « Comment est-ce qu'il faut commencer la phrase latine ?» Alors, la réponse, c'est « La phrase latine peut commencer par le nominatif, par le vocatif, etc. etc. » À un moment donné, la phrase latine peut commencer par le verbe impersonnel. Question suivante, comment donc on peut comprendre qu'on commence la phrase latine par le verbe impersonnel? Réponse, quand au commencement il y a un verbe où le français se commence par on ou il. Donc vous voyez là, c'est un autre pas est franchi parce que non seulement le français permet de traduire le latin, mais le français constitue la référence pour ceux qui apprennent le latin. Et je vous assure qu'on a du mal parfois
à se souvenir que ces grammaires sont des grammaires du latin, parce que on glisse progressivement d'une langue à l'autre. Et voilà, c'est, je crois, un peu l'intérêt de ces premières grammaires qui montrent qu'on glisse, même sans se rendre compte, de l'enseignement d'une langue, je ne sais pas si on peut dire langue morte, de toute façon une langue étrangère comme l'est devenu le latin au cours des 14e et 15e siècles, on glisse jusqu'à une grammaire du français, même peut-être de façon involontaire. Voilà. Pour reprendre un exemple qui m'est cher, le cas du Mithridate de Gessner, qui est quelqu'un qui écrit une description des langues en milieu germanophone, mais qui écrit en latin, Gallica lingua, c'est pas le français, c'est le gaulois. Et en l'occurrence, c'est celle qui l'intéresse. Mais il sait très bien qu'il y a une Gallica lingua qui est du français. Alors il va les différencier en disant, c'est pas compliqué, il y a la Vetus, l'ancienne langue gauloise, et puis il y a la Recantior, la plus récente. Et dans son cours exposé sur les langues, il va consacrer bien 10 ou 12 pages au gaulois, parce que ça l'intéresse au premier chef, et je vais vous expliquer pourquoi très rapidement. Et puis il va passer très rapidement sur la langue française, que tout le monde connaît à son époque, la Gallica lingua Recantior. Alors, pourquoi le gaulois l'intéresse au premier chef? Eh bien, tout simplement parce que il est... tenté par une idée courante à l'époque, sur laquelle il faudrait s'étendre, je n'ai pas le temps, comme quoi les anciens Gaulois parlaient du germain, ou du germanique. C'est-à-dire qu'il y avait une sorte de germanisme général au départ, et évidemment les vrais héritiers de ces Gaulois, c'était ceux qui parlaient la langue germanique, et non pas les Français. Alors évidemment, dans ce contexte-là, Gallica lingua, ça va être le Gaulois. Mais pour la plupart des grammairiens et la plus grande partie de la production française, Gallica lingua, ça va être le français, avec toujours ce jeu, sur ce terme de Gallica. Un exemple, je vous donnerai, c'est une grammaire écrite en latin, on y reviendra là aussi peut-être, beaucoup de grammaires sont écrites en latin, grammaires françaises sont écrites en latin parce qu'elles sont faites pour les étrangers, il s'appelle Cauchy, et il va expliquer qu'il écrit une grammaire française pour des peuples germaniques, mais justement pour des franquis. Et on pense immédiatement à la langue française francica lingua. Et justement, la francica lingua, le terme n'est pas utilisé, assez peu utilisé, enfin, il est un peu marginal au XVIe siècle, c'est le terme gallica lingua qui s'impose. Et là, il y a un jeu de mots dans l'introduction où il dit « Je vais apprendre à des franquis, c'est-à-dire à des francs, à des germanophones, à parler aussi bien que les Gaulois, des Quertarés rivalisés, cum multis Gallis, avec de nombreux Gaulois, français en l'occurrence, pour parler de la langue des Francorum, des Franquis. Donc il y a ce jeu sur la langue et qui autorisera toutes sortes de choses. Autre chose que je voudrais dire, très rapidement aussi, c'est que certains auteurs insistent beaucoup sur la singularité du français par rapport au latin. Alors, je prendrai l'exemple de Ramus, Pierre de La Ramée, qui dit « Nous avons nos francismes ». Et il prend des exemples de distorsions d'accords, par exemple, quand on associe deux personnes qui ne vont pas ensemble, ce qui se fait couramment, ou quand on dit « c'est moi ».« C'est moi », c'est un problème, ça pose un problème. On devrait dire « je suis moi ».« C'est moi », alors... Ramus nous dit c'est un francisme, mais ce qui va l'intéresser évidemment c'est bien insister sur le fait que la langue française c'est pas du latin adapté, c'est pas seulement du latin adapté, c'est une langue qui a développé sa propre identité. Voilà, alors je crois qu'on a fait à peu près le tour de la question de la langue, c'était notre première question, mais je vois que aussi l'heure tourne, et que normalement nous avons deux questions à traiter. La deuxième question, deux questions à traiter pour ce matin, c'est la question de la transmission du savoir, et la troisième étant celle du transfert. Mais je me dis qu'au fond, celle du transfert, on va peut-être la traiter plus tôt dans nos exposés cet après-midi, enfin on va voir, après tout. La transmission du savoir, mais c'est un gros point, la transmission du savoir. Donc je te redonne la parole. Comment on lit un texte écrit en chinois, mais en japonais?
Alors, ce n'est pas la question de traduction, proprement dit, c'est la question de lecture. Parce que, vous voyez, comme je dis au départ, le caractère chinois, c'est un idéogramme. Donc, on peut attribuer un mot japonais au même caractère, n'est-ce pas, chinois. Donc, puisque ça représente une idée, n'est-ce pas, on peut prendre ce caractère comme représentant un mot japonais. Bon. Mais comme je vous ai dit, il y a la différence fondamentale, n'est-ce pas, entre deux langues. Alors, la première chose qu'on devait faire le japonais, ça apparaît ici, n'est-ce pas, Kanban, c'est rétablir l'ordre japonais à partir de l'ordre chinois. Tout cela, on va utiliser deux éléments, soit le signe de retour, c'est-à-dire que quand vous avez un signe comme ça, vous allez d'abord en bas, ensuite vous remontez. Sinon, quand les caractères sont un peu séparés, vous avez le numérotation 1, 2, 3. Donc, quand vous lisez un texte chinois, mais en japonais, quand vous avez le chiffre à côté, vous ne lisez pas tout de suite, vous allez tout d'abord vers le 1, ensuite vous cherchez le 2, ensuite vous cherchez le 3, comme ça. Comme ça, on rétablit l'ordre. Mais à ce niveau-là, on ne peut pas avoir encore la façon exacte de lecture. Alors, du coup, on se pose la question comment on doit lire un texte plus précisément. Et la question qui se pose d'une façon aiguë, c'est dans un temple bouddhique et dans la cour. Parce que quand vous lisez un sutra bouddhique écrit en chinois, il faut restituer quand même la parole de Bouddha. Donc il fallait spécifier la lecture. Alors pour cela, que je vous ai dit tout à l'heure, n'est-ce pas, on a inventé un système de marquage. Ça consiste à dire que, par exemple, vous avez l'exemple ici, hein, vous avez un caractère chinois, et à côté du caractère chinois, on met un petit trait, soit à gauche ou en bas, par exemple dans le premier cas. Dans ce cas-là, vous lisez « ikite », hein, le verbe étant « iku ». Alors que vous mettez le trait en haut, la lecture c'est « ikuni ». Comme ça, hein, on spécifie la lecture. Hein, donc là, vous avez la transcription, si vous voulez, de points qui correspond à « wa », « wo », des choses comme ça. Deuxième endroit où il fallait absolument spécifier la lecture, c'est donc la cour. En particulier, quand un empereur publie un décret, il fallait le lire devant Dieu et le peuple. Et il ne s'agit pas de se tromper. Alors, du coup, on a inventé une autre façon de faire qui est donc d'utiliser les caractères chinois non pas comme idéogramme, mais comme représentant un son. Et en écrivant petit et décalé à droite, on signale que là, ce n'est pas pour le sens qu'on utilise, mais c'est pour le son. Et comme ça, donc, on invente l'écriture purement japonaise, mais cette fois bien spécifier la lecture. Voilà. Une question qui me paraît absolument fondamentale. Alors, elle est importante pour la tradition arabe, mais je pense qu'elle l'est pour toutes les autres. C'est la problématique du passage de l'oralité à ce qu'on a appelé la scripturalité. On connaît les travaux de Goudy, par exemple, là-dessus, mais il y a énormément d'autres références qui montrent que la découverte, l'invention de la technologie de l'écrit
représente une véritable révolution, alors technologique d'une part, mais intellectuelle, dans les modes de production du savoir, ces modes de transmission, et que c'est tout à fait important de prendre la mesure, enfin d'essayer d'ailleurs, parce que nous sommes entièrement formés, nous, dans une tradition écrite, et que d'une certaine manière, on peut avoir tendance à prendre pour des évidences, des choses qui sont des acquis historiques précisément, l'école, etc., et l'environnement d'ailleurs social dans lequel on vit et qui est entièrement dominé pour le moment par la scripturalité. Mais j'y reviendrai concernant la tradition arabe. Pour l'arabe, et c'est un parallélisme très clair avec le japonais, la question de la lecture, de l'écrit, est une question fondamentale. L'écriture arabe à l'origine est d'ailleurs empruntée au vieux stock des écritures sémitiques, dont le prototype est l'écriture phénicienne. Et c'est une écriture à l'origine très défective. Elle ne note pas tout, notamment elle ne note pas les voyelles, elle est essentiellement consonantique. Et au départ, l'écriture arabe primitive, c'est-à-dire y compris au moment de la prédication islamique, est une écriture qui est tellement primitive que, en réalité, elle n'a aucune autonomie par rapport à l'oral. C'est-à-dire que lire un texte, c'est en réalité se remémorer quelque chose qu'on connaît oralement. Et par exemple, les premiers manuscrits du Coran, quand on en a qui remontent au 8e siècle, par exemple, sont totalement incompréhensibles pour nous, aujourd'hui. Enfin, si, il y a des spécialistes qui arrivent, mais c'est une écriture qui ne ressemble absolument pas à l'écriture arabe qui nous est familière, notamment avec les points diacritiques, etc. Il s'agit là d'une invention beaucoup plus tardive, volontaire d'ailleurs, décidée pour des raisons politiques, à peu près à la fin du 6e siècle, début du 7e, pardon, à la fin du 7e siècle, début du 8e, sous le règne d'un calife omeyyade qui s'appelle Abdelmalik ibn Marwan, et qui, pour des raisons de centralisation de l'État, prend un certain nombre de mesures, dont une réforme de l'écriture, qui va rendre cette graphie primitive un tout petit peu moins équivoque. Et cette réforme, qui va être faite par une équipe d'experts, et qui va s'inspirer d'ailleurs de choses qui ont été faites pour d'autres langues sémitiques voisines, le syriaque et l'hébreu, va mettre en fait plusieurs décennies, peut-être même plus d'un siècle, à être accepté en pratique. Et on le voit dans l'histoire des manuscrits du Coran, qui, pendant très longtemps, soit ne vont pas intégrer du tout cette réforme, soit vont l'intégrer de manière tout à fait marginale, c'est-à-dire en notant, par exemple, les points diacritiques comme des accessoires colorés et non pas comme des éléments constitutifs de la lettre. Et donc, un texte arabe, au départ, est totalement abscons, puisqu'il s'agit d'une succession de consonnes. Et toute la formation grammaticale, ça va être de rendre les gens capables de lire un tel texte, c'est-à-dire d'y mettre les bonnes voyelles qui vont le rendre compréhensible. Bien entendu, il y aura des ambiguïtés, des lectures permises avec des sens différents, etc. Mais en gros, la grammaire arabe va d'abord être essentiellement une question de rendre moins équivoque qu'elle ne l'est l'écriture primitive. Et l'enseignement de la grammaire va essentiellement être centré là-dessus. La dernière chose que je voudrais dire, c'est qu'il ne faut pas concevoir le passage de l'oralité à la scripturalité comme un processus brutal et en tout ou rien. Pas du tout. Pendant des siècles, littéralement, et on peut peut-être dire que jusqu'à maintenant, il reste des traces dans
ce type de société de l'époque de l'oralité. Et donc, par exemple, l'apprentissage va être très largement confié à la mémoire. C'est de l'apprentissage par cœur. Et notamment, le processus typique, c'est qu'on apprend un texte de base par cœur, sans nécessairement le comprendre. Souvent, un texte en rimé, parce que la rime est très... C'est pas par hasard que la poésie est si importante dans les sociétés orales. C'est parce que c'est un format de stockage de l'information que la mémoire humaine est beaucoup plus capable de retenir, de restituer, que de la prose pure et simple. Et donc, très longtemps, on va apprendre des textes en vers, relativement abscons, et que le maître va vous commenter, au début oralement, éventuellement après, les commentaires vont être fixés par écrit, mais mes collègues vont revenir dessus, pour vous éclairer le sens de ce texte. Et en fin d'apprentissage, un disciple reçoit licence d'enseigner, ça s'appelait exactement comme ça, ijaza, licence d'enseigner un texte quand il est capable de le lire et de le commenter comme le maître. Voilà, je crois que pour le moment, je vais en rester là sur les formats d'enseignement. Bon, je fais juste une parenthèse. Il n'y a jamais eu de démocratie islandaise médiévale comme on le lit parfois. Il y avait des chefs qui étaient chefs de manière héréditaire. Simplement, ils représentaient plus ou moins de monde. Et c'était toujours les mêmes familles qui siégeaient au Parlement, à l'Assemblée générale, qu'on appelle en islandais l'Alþing. Et c'est par décision quasiment unanime de cette Assemblée générale en 999 ou en 1000, selon les datations, qu'ils se sont déclarés chrétiens et que donc ils ont, de façon ostentatoire, jeté leurs idoles et qu'ils ont renoncé à leur ancienne religion, celle où, qui mettait en scène Thor, Odin, etc. Or, cette ancienne religion était fortement liée à leur écriture runique, puisque les runes qui fixaient des sons, certains d'entre eux étaient aussi fortement attachés à des dieux. Il y a notamment une rune qui est assez connue, qui est celle de Tyr, qui est connue parce que le nom Tyr apparaît dans beaucoup de circonvolutions pour nommer Odin, le dieu principal. Donc ça posait d'une part un problème. Ensuite, l'habitude c'était que les runes étaient gravées sur du bois ou sur de la pierre, ce qui n'autorisait pas évidemment de très longs textes. Et de fait, les inscriptions runiques qu'on a conservées, beaucoup d'entre elles, c'est une phrase à peine plus qui disent qu'en gros, Gunnar a gravé cette rune. Donc c'est pas extrêmement riche en termes de patrimoine littéraire. À partir de la christianisation, cependant, donc les Islandais ont envoyé leur élite se former en Europe et qui ont rapporté avec eux la technique du parchemin, de l'écriture, alors qu'ils ont adapté, puisqu'ils ont inventé un mode pour produire leur encre à partir de ce qu'ils avaient sous la main comme végétaux. Pour ce qui était du vellum, ils n'avaient pas de problème. De toute façon, ils ne pouvaient pas nourrir autant de veaux, donc ça ne posait pas de problème pour eux d'en sacrifier un certain nombre au début de l'hiver, donc ils avaient beaucoup de peau. C'est pourquoi d'ailleurs, encore aujourd'hui, le patrimoine de manuscrits produits en Islande reste de très très loin l'un des plus importants d'Europe, pour une langue vernaculaire, pas seulement pour les langues du Nord, alors qu'ils sont conservés au Danemark, en Suède et en Islande principalement. Donc, est apparu avec la christianisation, à partir des décennies qui ont suivi, la pratique de l'écriture. Alors évidemment, ils ont adopté dans un premier temps l'alphabet latin. Et l'alphabet latin n'était pas très adapté d'un point de vue phonétique et phonologique à l'islandais, puisqu'il avait trop de consonnes et pas assez de voyelles. Ce qui faisait que, contrairement aux runes, qui étaient finalement assez bien adaptées pour fixer les sons, il risquait d'introduire trop d'ambiguïté. Et le premier traité grammatical, celui que citait Sylvain Roux ce matin, qui est censé être le précurseur de la phonologie moderne, consiste précisément en un projet de réforme de l'écriture pour s'assurer que désormais, quand on lit bien, on vocalise ou on fait sonner comme ça doit sonner, et afin d'éviter de confondre un certain nombre de mots que, sans ces distinctions-là, on risquerait facilement de confondre.
d'où les paires minimales, qui donnent des exemples de mots qu'on serait amené à confondre. Or, ces paires minimales concernent exclusivement, quasiment, les voyelles, parce que c'est là que se posent les problèmes. Et celui qu'on appelle traditionnellement le premier grammairien, puisqu'il est anonyme, donc l'auteur du premier traité grammatical, le titre est un titre d'éditeur, hein, il n'a pas de titre, lui donc renonce à certaines consonnes en disant qu'on n'en a pas besoin, et par contre essaye d'introduire des techniques graphiques, de points, d'accents, pour fixer toutes ces différences. Donc on voit comment l'histoire externe modifie la pratique de l'écriture, et comment cette pratique de l'écriture s'efforce, comme pour la tradition arabe et japonaise, de fixer de la manière la plus fidèle possible une pratique orale. Alors j'aurai l'occasion d'y revenir cet après-midi, mais ça c'est mon interprétation, ce qui a rendu possible cette innovation phonologique, enfin entre guillemets, c'est la pratique poétique extrêmement élaborée des skalds, donc des poètes islandais, qui avaient déjà une très forte conscience de l'ambiguïté, puisqu'un certain nombre de leurs figures poétiques étaient fondées précisément sur l'ambiguisation, si on peut inventer ce mot, ou la désambiguisation de noms. Le grand jeu, c'était de cacher le nom de la personne dont on parlait, alors avec des jeux à partir d'homonymes et de synonymes. Donc j'y reviendrai cet après-midi, mais c'est ce que Snorri, qui est un des premiers, c'est le nom qu'on donne à celui à qui on attribue les premiers textes qui relèveraient de l'art poétique, de la description de ces pratiques, nomme cela Ofljost, qui signifie littéralement trop clair, trop évident, mais qu'on traduit souvent par calembour ou jeu de mots. Parce qu'en fait, l'idée, c'est que quand on voit le mot il y a écrit, quand on l'entend, l'esprit comprend immédiatement un sens. Or, c'est surtout celui-là qu'il ne faut pas comprendre si on veut parvenir à percer l'énigme. Puisque la poésie skaldique est une pratique orale, hein, on récitait devant souvent le roi, va donner lieu à... Enfin, va rencontrer une tradition écrite qui elle-même va permettre le développement d'une réflexion grammaticale assez originale en Islande. À partir, donc, pour ce qui est du premier traité grammatical, on le date de la deuxième moitié du XIIe siècle, mais le traducteur, l'un des derniers éditeurs traducteurs, Glenn Benedictson, coupe un peu la poire en deux en disant 1175, parce que il dit c'est entre 1150 et 1200, mais il n'a pas tellement d'éléments. Voilà. Donc, également, comment la technique est un peu liée à l'histoire externe et aux questions politico-religieuses. Dans l'Occident médiéval, au Moyen-Âge et Moyen-Âge central, donc jusqu'à 13e, 14e siècle, la transmission des savoirs va se faire dans une langue qui n'est la langue maternelle de personne, en latin. Donc juste un petit rappel sur le rôle du politique qui fait qu'on en est arrivé là à un moment donné, parce qu'en Occident, ce qui a été déterminant, c'est le rôle d'Alcuin et de la cour de Charlemagne. Alcuin, c'est un Anglais qui est né vers 735, qui a reçu sa formation à l'école de la cathédrale d'York. En 781, il fait la connaissance de Charlemagne. En 782, il est invité à la cour franque. Et il n'en repartira que vers 800, pour pratiquement en disgrâce, pour finir sa vie à l'abbaye de Saint-Martin de Tours. Le fait que Alcuin soit un Anglais, c'est extrêmement important. C'est parce qu'il est un Anglais qu'il a appris le latin avec une prononciation complètement différente de celle qui se pratique sur le continent. Sa langue maternelle, ce n'est pas le latin, ce n'est pas les langues romanes comme sur le continent, c'est quelque chose, un élément qui fait qu'il va apprendre le latin et le prononcer en détachant soigneusement toutes les lettres les unes après les autres. Donc quand il arrive sur le continent à la cour de Charlemagne, il est effaré par le fait de la façon dont les gens prononcent le latin. Donc c'est sous son influence que va s'imposer une prononciation complètement différente, qui correspond à peu près à celle qu'on a aujourd'hui, et qui détache les lettres. La conséquence ne se fait pas attendre, la communication verticale est rapidement et définitivement rompue entre les membres d'une élite, principalement le clergé, qui est formé à la prononciation restaurée du latin, et le reste de la population, qui continue à pratiquer un latin qui dérive de plus en plus vite et de plus en plus loin par rapport à la langue latine, la langue antique qui est de retour. On voit tout de suite le problème que ça peut poser, en particulier pour les offices religieux.
mais le concile de Tours en 813 entérine rapidement la situation en préconisant que maintenant chaque célébrant va devoir transposer ses homélies afin qu'elles soient comprises en rusticam romanam linguam, celle du tableau qu'on a vu tout à l'heure. Donc on voit qu'entre l'arrivée d'Alcuin sur le continent et le concile de Tours, il s'est écoulé une trentaine d'années, donc la rupture totale de la communication verticale a donc pris moins d'une génération. Le phénomène complexe qui a consisté à essayer de noter une version sauvage du latin avec le latin standard, il est particulièrement visible au moment des serments de Strasbourg que vous avez dans l'exemplier. C'est un texte très célèbre qu'on présente généralement, mais on va voir, il faut nuancer ça, comme le plus ancien texte écrit en langue romane. Vous savez peut-être qu'en 842, Charles le Chauve et Louis le Germanique sont parvenus à un accord d'assistance mutuelle contre les menées de Lothaire. Les deux souverains ont donc réuni leurs armées respectives et ils ont prononcé devant elles, à voix haute, solennellement, leur serment, chacun dans la langue de l'autre, ce qui est très important pour nous. Parce que la langue romane était alors notée couramment à l'aide du latin. Donc, tout le monde savait bien alors que la séquence F-R-A-T-R-E-M, ça se prononçait fradre. Pas fratrem, fradre. Mais ça, à condition évidemment d'être un locuteur de langue romane. Ce qui n'était pas le cas de Louis le Germanique, de langue tudesque. D'où l'intérêt d'inventer, pour l'occasion, cette notation complètement phonétique, dont on a la chance qu'elle a été recueillie par Nithard dans son histoire. Donc c'est parce que celui qui devait prononcer la formule en français pour être compris par les soldats de Charles Chauve ne savait pas lire le latin de façon à le faire sonner à la romane, qu'il a fallu transposer justement et inventer cette notation phonétique pour les soldats de Charles Chauve, ceux-là même d'ailleurs qui avaient besoin qu'on transpose pour eux les homélies en latin sauvage. Donc on voit bien que avant les serments de Strasbourg, on écrivait déjà le français, mais on l'écrivait en servant du latin. Là on a la chance d'avoir eu besoin d'une notation phonétique qui nous restitue ce qu'était la prononciation à l'époque. Le paramètre chrétien a joué aussi un rôle dans la transmission des savoirs à l'époque, parce que la transmission de ces savoirs se fait par l'accession à la grammaire. Il faut connaître la grammaire pour atteindre la langue seconde de tout le monde, le latin. Et la question qui s'est posée rapidement, faut-il être pour ou contre la grammaire ? C'était la question en Occident. Dans un monde, je vous le rappelle, où l'étude de la grammaire latine, c'est l'unique voie d'accès à la culture, et donc à la fois aussi, on ne peut pas se passer de la grammaire. Et pour autant, la discipline est extrêmement mal vue, et on remplirait des bibliothèques avec toutes les critiques qui lui ont été adressées. C'est des reproches qui s'inscrivent dans une double tradition, une tradition philosophique et une tradition chrétienne. Rapidement, philosophique parce que les stoïciens avaient pointé les risques que prenait un philosophe qui adoptait une attitude de grammairien, c'est-à-dire qu'il allait s'intéresser non plus aux choses, mais aux mots. Philosophique aussi, quand les mêmes stoïciens se sont mis à accuser les grammairiens d'être en fait des débauchés, qui cachaient leur débauche sous le maniement de beaux discours. Une tradition chrétienne aussi, quand la patristique a rapidement repris toutes ses critiques et les a complétées à l'envi en présentant les grammairiens aussi comme des débauchés et la grammaire comme un moyen de perdition. Pas tous les grammairiens donna y échapper, puisque c'était le maître révéré de Saint Jérôme. Les critiques se sont concentrées en revanche sur Priscien, que le Moyen-Âge a généralement présenté comme un hérétique, simplement parce que son grand œuvre, les Institutiones Grammaticae, était dédiée à un Julien, qu'on a tout de suite identifié avec l'empereur Julien l'Apostat, au lieu de le rapporter au consul Julien du VIe siècle. Face à ce problème récurrent, des grammairiens ont esquissé des tentatives de christianisation de la grammaire, en particulier en sélectionnant des exemples chrétiens pour remplacer les exemples païens. Mais ces tentatives, la plus célèbre, celle de l'anglais Bede, le Vénérable, ont été sans grand avenir. Donc on est dans la situation suivante. Il est indispensable d'apprendre une langue seconde, qui est elle-même indispensable pour accéder à la culture et à la foi. Les conditions de la transmission étant posées, je passe rapidement aux techniques d'apprentissage. La technique principale, c'est le par cœur, la mémorisation par cœur.
En général, seul le maître a un livre, le parchemin est cher. On n'a pas la chance d'être en Islande. Les élèves sont munis de tablettes de cire et d'un stylet. Et évidemment, il s'agit d'apprendre par cœur des paradigmes. Et ce qui va énormément aider, c'est la versification. On va passer à partir du XIIe siècle à des grammaires versifiées qui résument très sommairement tout l'arrière-plan grammatical disponible à l'époque en vers ciblés sur des problèmes de vocabulaire, problèmes de construction, problèmes de syntaxe, etc. La poésie a donc joué un rôle très important dans la transmission des savoirs. La poésie qu'on étudie, la poésie qu'on apprend par cœur et aussi la poésie qu'on commente. En Occident, on a été rapidement tributaire de l'école carolingienne qui a sélectionné, sous l'influence d'Alcuin toujours, pour les besoins de son enseignement, une série de poètes antiques qui sont à peu près ceux que nous lisons aussi aujourd'hui à cause de l'effet de filtre qui a été créé à ce moment-là. Virgile, Horace, Ovide, Perse, Lucain. Les moyens se sont en effet concentrés sur la copie et la diffusion de ces grandes œuvres dans tous les grands centres intellectuels carolingiens, de Tours à Fulda, en passant par Scorpie. Et les autres œuvres ont tout simplement cessé d'être copiées. Le but de cette formation appuyée sur les œuvres du passé, c'est de s'imprégner suffisamment du latin antique, du latin correct, du beau latin, de façon à pouvoir se laisser parler et pouvoir coudre facilement son expression personnelle à l'aide de tournures empruntées aux grands poètes, à Virgile pour Laetas Virgiliana, à Horace ensuite dans la Laetas Horaciana, à Ovide ensuite dans Laetas Ovidiana, selon la tripartition chronologique qui a été proposée par Birger Munkholsen. C'est un fond poétique qui sert à enrichir l'expression et cette technique a été assez efficace puisqu'on voit les grands auteurs, les grands lettrés qui émaillent leurs écrits de citations antiques, ce qui permet de varier un peu l'expression par rapport aux sentons bibliques qui font un peu penser parfois à un certain patois de Canaan. Ce qui est intéressant de ce petit traité, c'est une première traduction de Donna. Ce n'est pas tellement ce qui est écrit, mais ce qui manque. Parce que le maître, qui a évidemment transcrit ses cours, a bien écrit, par exemple, ici le début, combien, quant par d'oraison sont, c'est-à-dire combien de parties de discours il y a, 8, etc. Donc, vous n'avez que le début de la réponse, et manifestement un tel texte qui répond 8, mais qui ne donne pas les noms des parties du discours, évidemment, ne peut que servir de trace pour quelqu'un qui connaissait déjà bien Donna, c'est-à-dire le maître. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a en revanche des parties qui sont transcrites entièrement, eh bien, ce n'est pas du Donna. C'est-à-dire, ce sont les ajouts que les maîtres du Moyen-Âge avaient estimé nécessaires pour exposer la grammaire de base de la langue latine. D'autre part, et là je vais aussi m'arrêter, ce qui est intéressant aussi de ces grammaires, ce sont les aspects de mise en page. Si vous passez quelques feuillets, vous en arrivez à un manuscrit qui est conservé à la bibliothèque Mazarine et qui date du XIVe siècle. C'est une autre traduction donc de l'Ars Minor de Donna. Et là, immédiatement, vous voyez dans cette page la hiérarchie des informations avec des lettrines, des petites capitales plus ou moins grandes selon l'ordre, selon la structure pyramidale de Donna. Vous savez que vous avez la question la plus générale et puis des questions secondaires. Alors là, vous avez un début de chapitre. Ici, vous avez un début de paragraphe. En même temps, les soulignements indiquent les citations latines. Ce qui est intéressant dans ce contexte, c'est que ce sont des citations latines en vers. C'est-à-dire que le Moyen-Âge a très vite intégré à la grammaire donatienne des fragments versifiés tirés justement des grammaires en vers auxquelles Anne Grondeux a fait allusion tout à l'heure, c'est-à-dire les grammaires d'Évrard de Béthune et d'Alexandre Viltieu, qui étaient de la fin, extrême fin du XIIe siècle, début du XIIIe. Donc voilà, c'est tout, je m'arrête là, le reste ce sera pour cet après-midi. La chose que je voudrais dire, c'est
avec l'imprimerie, on va inventer le livre tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et au fond, notre exemplier, là, ici, est intéressant parce que ce n'est pas encore un livre. Vous voyez pourquoi ? Ce qui nous a manqué, c'est la pagination générale. Alors, pour cet après-midi, je vous propose d'ailleurs de faire une pagination, hein, que je vous proposerai à la fin, pour qu'on s'y retrouve. Hein. Mais si on regarde les premiers textes imprimés, hein, en gros, dans les textes grammaticaux imprimés apparaissent autour de 1470. Hein. Et je prendrai un exemple, c'est les Rudimenta Grammaticae de Perotti. Eh bien, il se présente un peu comme ça. C'est-à-dire que, au fond, on ne va pas avoir de pagination. On a des signatures de cahier qui sont lacunaires. Vous savez, les signatures de cahier, c'est ce qui permet de savoir sur quel folio on est. On a des réclames qui sont lacunaires aussi. Et le livre va être perfectionné. Hein. Mais cette perfection, c'est un acquis non pas scientifique, mais plutôt technique, mais auquel on est tellement habitué qu'on a un peu oublié qu'il a fallu le faire, ça existait. Hein. Alors, on avait dit, on parlerait, dans notre réunion préparatoire, on parlerait de l'imprimerie, et j'ai essayé de trouver un exemple, ben justement c'est cet exemple dont je vous parle, c'est Rudimenta Grammaticae, parce que je me suis toujours demandé pourquoi cet ouvrage a eu tant de succès. Hein. Pour vous donner une idée, il est écrit en 1468, et il est édité en 1473. Et à mon avis, ce n'est pas par hasard. C'est-à-dire, en 1473, ça y est, on a le moyen de l'éditer, hein, à Rome, hein, première édition, 19 mars 1473. Et puis ensuite, on va l'éditer énormément. Hein. En 1475, on a 7 ou 8 éditions. Et de 1473 à 1541, on en a 182, dont 132 entre 1473 et 1500. C'est-à-dire que pendant la période qu'on appelle les incunables, c'est-à-dire avant 1500, on va avoir la majorité des éditions. Et puis ensuite, ça va cesser. Alors je me dis, mais pourquoi, si cet ouvrage est fondamental, s'il est important, pourquoi il n'a pas édité par la suite? Je pense que ce n'est pas un ouvrage extraordinaire en tant que soi, il est très classique dans sa fabrication, mais au fond, il arrive au bon moment. Hein. Écrit en 1468, publié en 1473, hop, c'est le moment où on va avoir un essor, hein. Et l'essor est très important, puisque en France, au XVe siècle, dans la dernière partie du XVe siècle, on ne disait pas une grammaire latine, on disait un Perrot. Perotti, francisé le nom, et on l'appelait comme ça. Voilà. On parlera sans doute des paradigmes, parce qu'on a parlé un petit peu des verbes, on parlera des paradigmes cet après-midi. Donc, si mes collègues en sont d'accord, on va peut-être s'en tenir là.